Bien, bonjour. Ben, là, je vous fais un petit vlog cidre. Ça va changer du jardin, malgré que c'est quand même des activités qui sont proches du jardin. Donc là, on est dans un verger, dans un verger qui est dans mon village, chez un copain, Christian. Et les sacs que vous voyez, ce sont des sacs de pommes qu'on a ramassés. Donc tout ça, c'est un verger de pommes à cidre. Et alors, à cidre, pas acide, ok? Alors, ce n'est pas des pommes que l'on peut consommer, mais c'est des pommes qui servent à faire du jus pour faire du cidre. Voilà, donc en fait, ben, on est tout content parce que on vient de terminer de ramasser toutes les pommes. Voilà, il fait pas très chaud. On a eu des journées un peu ensoleillées, mais là aujourd'hui, c'était pas terrible, hein. Donc vous voyez, il n'y a plus une feuille aux arbres parce que ben, aujourd'hui, on est le 1er décembre 2020. Et ça, ben voilà, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Valérie. Donc en tout, on a ramassé 18 sacs de pommes. Vous allez voir, il y a un peu tout calibre, hein. Il y a des grosses pommes, mais il y a aussi des toutes petites pommes. Et forcément, c'est beaucoup plus fastidieux à ramasser. Donc on ramasse ça dans les paniers, là, comme ça, ces paniers-là. Deux paniers remplis, ça fait un sac, c'est une mesure. Et on estime que dans un sac, une mesure, on va sortir entre 10 litres et 15 litres de jus. Donc pour faire du cidre ou du jus de pomme, parce qu'en fait nous on fait les deux, on fait cidre et jus de pomme qu'on pasteurise. Voilà, ben, je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Bien voilà, les pommes sont ramassées. Donc maintenant on va attendre le prestataire qui vient presser les pommes. Ben, je vous ferai un film, enfin on vous fera un film quand il sera là. Et donc en attendant, on prépare la cave, on prépare les tonneaux. Voilà, donc j'ai fait du rangement dans la cave. J'ai sorti les tonneaux, donc ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas servi et il faut les rendre de nouveau étanches parce que c'est du bois et le bois ça vit, ça sèche, ça gonfle, ainsi de suite. Donc pour qu'il soit étanche, faut qu'il soit bien gonflé. Voilà, alors ces deux tonneaux, alors vu la taille, en fait, c'est plutôt des barriques. Donc celui-ci là, c'est mon oncle Charles qui me l'a donné et il a une contenance de 325 litres. Et celui-là, c'est moi qui l'ai acheté, c'est une contenance de 260 litres, 265 litres exactement. C'est un tonneau, alors les deux sont en chêne. Celui qui est plus clair, c'est un tonneau que j'avais acheté et qui avait contenu du vin, du vin de Bordeaux. Les vins qui ont un goût un petit peu de bois, qui sont vieillis en fût de chêne, mais voilà, c'est ça. Une fois qu'ils les ont utilisés quelques fois, et eh bien après, ils les revendent. Donc, pour étancher les tonneaux, ben, il faut mettre de l'eau dedans. Mais vu les volumes des tonneaux, on les remplit pas complètement parce que ça serait trop cher en eau. Donc la technique, c'est ça. La technique, c'est de mettre de l'eau dans le couvercle, enfin dans le couvercle, non, dans le haut du tonneau. Oui, c'est ça, là ici, là. Donc là, vous voyez, il y a de l'eau là, tac. Là aussi, voilà. Et l'eau va pénétrer. Elle va pénétrer. Alors déjà, elle va commencer à remplir les interstices là. Enfin, et si c'est pas étanche, ça va couler. L'eau va couler. Alors sur celui-ci, ça n'a pas beaucoup coulé, mais sur celui-là, vous voyez, j'ai déjà mis 3 fois de l'eau dedans. L'eau coule, ça fuit parce que c'est pas à sec. Puis vous voyez, ça recoule là. Ça descend dans le fond du tonneau. Ça a une double action, c'est-à-dire que le fait de mettre de l'eau en haut, ça commence à mouiller le bois. Puis comme c'est pas étanche, ça descend. Et ça mouille le bois d'en dessous, donc les deux bouts de tonneau vont recevoir de l'eau. Et alors les quantités d'eau que je mets, c'est pas beaucoup, hein, c'est des seaux de 10 litres. Donc là pour le moment je n'ai passé que 30 litres d'eau, c'est de l'eau de puits, hein, c'est de l'eau que je récupère des gouttières. Et en même temps, quand ça coule, quand l'eau vient, elle vient là, ici, là. Vous voyez?
Elle gonfle ça. Voilà. Ça, c'est le haut des, c'est le bout des douvelles. Les douvelles, c'est ça, c'est les lattes de bois qu'il y a là. Alors attendez que j'en trouve. Non, là, on va mieux voir. Là, ici, il y en a une. C'est comme ça qu'est formé le tonneau. Donc, en faisant cette opération sur plusieurs jours, en les mettant dehors, ils commencent à regonfler, ils se réhumidifient. Voilà, donc vous voyez, j'ai mes petits seaux qui sont prêts. Et puis, ben, je mets de l'eau. Hop là. Voilà. Tac. Donc quand je passe, je remets un peu d'eau. Et puis petit à petit, ça. Alors j'ai commencé hier. Hier, il tenait pas l'eau du tout. Puis maintenant, ça y est, il commence à tenir l'eau. Une fois que ben, l'eau va plus rentrer dans le tonneau, là, je les mettrai à l'horizontale et je les laverai. Je vais remettre de l'eau dans le tonneau par la bonde comme ça. Voilà. Et puis je vais les laver, les rincer. Parce qu'il y a des cochonneries qui ont pu rester dedans. Et puis ça va réhumidifier l'intérieur. Et pour bien étanchéifier l'intérieur, je les mettrai avec un peu d'eau dedans et je les tournerai en quart de tour régulièrement. Comme ça, ils vont bien avoir pris l'eau. Et ils seront étanches, ils seront prêts le jour du pressage des pommes. Et si j'ai le temps, je vais faire aussi une opération, je vais mécher les tonneaux, c'est-à-dire que je mets du soufre à brûler et le soufre purifie le tonneau. Je pense que ça a une action fongicide. Voilà.